Donc salut à tous, c'est Potter et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je vais tout simplement vous présenter une baguette Harry Potter que j'ai fait moi-même. Ok, donc voilà. Donc voici la baguette en personne. Donc elle se présente comme ceci. Donc je vais vous dire les ingrédients machin. Donc c'est pas un tuto, hein. Je ferai peut-être un DIY bientôt dessus sur cette baguette que j'ai créée. Donc attendez, excusez-moi, je posais ça là. Donc je ferai peut-être un DIY pour expliquer un peu en gros comment j'ai fait. Excusez-moi, je suis malade, donc c'est pour ça que j'ai du mal à parler. J'ai mal au ventre. C'est pour ça. Donc en fait, en gros, c'est une baguette qui est faite avec de la pâte à modeler. Un bout de bois que vous pouvez trouver dans une forêt ou que vous achetez. Ou du bambou, comme vous voulez. Si vous voulez absolument qu'elle soit droite droite, achetez du bambou. Si vous voulez qu'elle soit un tout petit peu tordue comme moi, bah achetez enfin achetez pas et cueillez un bout de bois. Donc pour le manche, il me faudrait de la pâte à modeler, peu importe la couleur, puisqu'après on va repeindre. Ensuite vous laissez sécher pendant 24 heures. Faut pas forcément qu'elle soit séchée séchée, hein. Faut juste qu'elle soit séchée pendant 24 heures. Ensuite vous mettez de la peinture par-dessus et vraiment n'hésitez pas à en mettre. Et ensuite avec un sopalin, pas pour la baguette, juste pour le manche, avec du sopalin vous allez passer par-dessus comme ça. Donc voilà la baguette, elle se tient comme ceci. Et ici j'ai fait en sorte avec la pâte à modeler qu'on puisse mettre le petit doigt ici. C'est pour mieux tenir la baguette. Donc elle se présente comme ça, je vais la rajouter à ma collection. Donc voilà le manche. Donc, c'est une baguette que j'ai créée moi-même. Hein. Voilà. Mince. J'en ai mis un peu sur. C'est pas grave. Bref, donc voilà la baguette. Donc elle se présente comme ça. Donc il n'y a pas grand-chose à dire dessus. Donc moi, j'avais déjà préparé la plume. Je voulais que ça soit comme une phénix. Voilà, donc ça va être ça la plume, je pense. Je pense que je vais prendre une plume. Je pense que ça va être le phénix. Donc la baguette elle est vraiment à portée, je l'ai déjà portée, elle est vraiment très agréable à porter, très agréable en main. Donc le bout, la baguette elle fait vraiment, enfin elle fait vraiment baguette, elle est hyper grande par contre, faites pas grand comme moi, parce qu'elle est vraiment, vraiment très grande, hein. Elle est très grande, j'ai du mal à la montrer en caméra, peut-être qu'en caméra on voit pas qu'elle est grande, mais sinon elle est hyper grande, hein, la baguette. Et voilà, mais elle est super belle. Et voilà, donc c'est bah je vais vous montrer un petit peu plus en détail. Donc là vous voyez, je vais bien vous montrer à la caméra, j'ai laissé de la pâte à modeler là qu'on voit encore un petit peu, on voit des petits bouts mais qui je vois quasi pas, donc c'est pas grave. Ensuite un bâton que j'ai cueilli, voilà, ça ressemble à ça. Donc en gros c'est ça. Et bah voilà. Donc je ferai peut-être dans longtemps, hein. C'est un programme, mais je ferai peut-être comme des récapitulatifs de toute la collection. Donc je pense que juste après la vidéo là, une fois que j'aurai fini de présenter la baguette, je pense que je vais vous montrer déjà le tout début de ma collection. Je n'ai vraiment pas grand-chose, mais pour un début je pense que c'est déjà bien. Donc vous allez voir des cartes, c'est des cartes de collection Harry Potter. Si vous voulez faire pareil, vous pouvez en trouver plein pour pas cher. Moi par exemple, là j'en ai peut-être 1000 pour pas cher, j'en ai eu pour 20 euros. C'est vraiment pas cher, que vous pouvez trouver en marché ou voilà. C'est voilà. Donc voilà la baguette. Donc là elle est finie, je vais la poser sur un sopalin, je vais la mettre dehors à sécher sur mon balcon. Et puis voilà. Bon bah c'était tout pour cette vidéo. Bon bah hein, je vous laisse. Salut, je vais vous montrer ma collection. Salut! Ok, donc voilà ma collection. Donc c'est ne faites pas attention en dessous. D'ailleurs je vais ranger mon bureau, j'ai un bureau accroché au lit en fait, enfin c'est bizarre, enfin bref, ne faites pas attention. Donc voilà la collection, c'est un tout petit début, hein, de là il y a une boîte à baguettes, elle peut pas rentrer la baguette parce qu'elle est trop grande. Donc la baguette, voilà, un jeu de société Harry Potter. Ensuite là j'ai pas pris tous les DVD mais quelques DVD Harry Potter ici. Ensuite là les reliques de la mort partie 1 et 2. Juste ici, les cartes. Donc là, il y a 1000 cartes environ. Environ 1000 cartes. Et là, les trucs pour mettre les cartes.
Mince, excusez-moi. Donc, ça ressemble entre guillemets à ça. Voilà. Ça, c'est un début de collection. Après, elle va s'agrandir, il y aura des... Donc, en fait, je sais pas si vous vous demandez pourquoi il y a du rose de... Comment... Dans cette chambre-là. Tout simplement parce que cette chambre, je dors pas tout le temps dans elle, parce que moi, j'ai une autre chambre, là-bas. Mais je dors pas souvent... Je dors souvent dans celle-là. Et vu que ma télé elle est là-bas, bah, je suis souvent là-bas. Enfin bref. Et si vous voyez du rose, c'est parce que cette chambre-là, je la partage avec ma soeur. Voilà. Et moi, sinon, mon côté à moi, bah. Pas besoin de vous montrer. Enfin, je vais vous le montrer. Hein. Et mon côté à moi. Le voilà. Donc, c'est un peu le bazar. Hein. Ça, c'est mon côté à moi. Avec une télé. Et voilà, donc ça c'est le début de ma collection, en espérant qu'elle va s'agrandir. Et puis voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. Allez, salut!